Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui, on vous propose un workout de deux mouvements provenance weightlifting. Vous allez avoir 5 tours à faire de 20 sumo deadlift high pull et enfin 20 répétitions de devil press. C'est un mouvement qu'on a déjà fait pas mal de fois à la salle. Aujourd'hui, on l'introduit en home workout pour voir un petit peu comment ça se passe. Vous avez option de le faire avec un sac, un dumbbell ou deux dumbbells. Et attention, ceux qui auront deux dumbbells, on réduira à 10 répétitions ici. Pas 20, mais 10. Sinon, vous n'allez pas retrouver le même stipuli. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de faire un WOD qui soit assez rapide. Les 20 répétitions de sumo deadlift high pull doivent aller très vite. Et enfin, les 20 répétitions de devil press, si vous êtes avec un sac à dos, ça doit aller très très vite également. Maintenant, si vous êtes avec les dumbbells, c'est pour ça qu'on réduit à 10 répétitions. Le workout devrait vous prendre entre 10 minutes et jusqu'à 15 minutes. On va voir ensemble les exercices. Le premier mouvement, le sumo deadlift high pull, je vous le montre avec le sac. Rappelez-vous, c'est ce mouvement-là. Pour avoir un petit peu plus d'amplitude, vous pouvez partir sur les côtés. Votre but, c'est de démarrer dans une position où vos épaules sont devant le sac. Votre dos est droit le plus possible. Vous allez faire en sorte de vous mettre droit, contracter vos fesses, lever les épaules. Et c'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là, qu'on va pouvoir tirer. Ça serait l'option donc du sumo deadlift high pull. Maintenant, le mouvement du devil press. Avec le sac à dos, ça ressemblera à ça. On fait son burpees sur le sac. Je reviens et je vais simplement amener le sac au-dessus de la tête. Vous avez plusieurs façons pour ramasser le sac. Soit vous pouvez prendre sur les côtés, soit vous pouvez faire comme j'ai fait au début avec un swing, un snatch. Vous pouvez également faire un clean and jerk. Le plus important, si au moment où vous allez revenir du burpees, on aura tendance à être comme ça. Faites en sorte de fixer votre dos pour pouvoir ramener le sac directement au-dessus de la tête et avoir les bras complètement tendus et les abdos complètement serrés. Si vous faites l'option avec le dumbbell, c'est ce mouvement-là. Donc là, j'ai pris le dumbbell le plus lourd de la salle. Non, je rigole, je prends un tout petit dumbbell. Donc ça serait l'objectif pour le warm-up. 5 tours, 20-20. Si vous avez 2 dumbbells, attention, c'est 20 reps de sumo deadlift high pull. Seulement 10 répétitions de deadlift press sur 5 tours. Le warm-up, 3 tours à faire. 5 flots de yoga. Ça va ressembler à ça. Vous êtes en planche, vous allez faire ce mouvement-là. Donc vous allez partir dans une position, vous allez pousser les fesses vers le haut avec les bras tendus, vous allez frôler le nez, la poitrine, la hanche au sol, tendre les bras complètement, repartir sur le sol et repousser vers l'arrière. Ça serait votre premier mouvement. Le mouvement numéro 2, on prendra sa charge, on fera en sorte de faire du deadlift. Concentrez-vous sur les bras tendus et simplement l'action de venir debout en serrant les fesses fort. Ça sera votre objectif. Et enfin, le dernier mouvement, c'est 5 répétitions, on va faire ça. Vous allez être en planche et vous allez faire ça. Donc votre but, c'est planche, on vient jumper, ramener ses pieds à l'extérieur des mains en cherchant à descendre les fesses vers le bas pour préparer le deadlift press. On se retrouve tout à l'heure sur le Zoom à midi, 21 15 9 75 001, le code et le mot de passe CF Louvre. Ciao tout le monde, passez une très bonne journée.